الوغ لاني سيني ايديو رانا كاوين يبغانا هذه المز يان تكست دهبي عبروس يان تكست دو سلم شاكر سميس لا كوسموغوني بربر الا الي سيركول سور انترنت دونك يسوفي تابي جوجل اتواليم ذا شو ايدي قيمن ذو خمم الجدود النغ نزيخني قوين يشودن غار غار ثون نات قوين يشودن غرو ريسران مثلا انسيد كان يمذنن انسيد كان الجدود النغ نكونين فروري ثمطوث اسميس يمس ندونيث لا بروميير مير دو موند ذا شو دي يمس ندونيث انسيد فغ يمس ندونيث زباباس ندونيث وي دي بغان دا نظهر لي ميت les mythes fondateurs de la Kabylie, de la Mazirité, il faut lire Léo Frobenius. Léo Frobenius, c'est un ethnologue, anthropologue allemand de réputation, très grande réputation mondiale. Il a un institut à Francfort, Fismistre, évidemment. Il a dès en Kabylie en 1914, il a recueilli les contes kabyles concernant la cosmogonie, c'est-à-dire la mythologie de l'Qbayl. Il doit avoir deux questions de l'Qbayl, il y a 4 jours ou 5 jours. Il y a des gens qui ont été dit qu'il y a des gens qui ont été dit qu'il y a des gens qui ont été dit la palette de la vie. Il y a des gens qui ont été dit qu'il y a des gens qui ont été dit qu'il y a des mazighen, ouren, ainsi de kan, ainsi de kizoran ensel. C'est devenu un ensemble de mythes. Il dit là, il m'a sendouni, il m'a sendouni, ainsi de qu'un irarséouen, ainsi de qu'un israël, ainsi de qu'un kada. Il y aura du fang, c'est-à-dire, rethwassif, c'est-à-dire, rethboumadi, il y a du fang, il m'a ran, il se dit, 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 je vais fermer la parenthèse. Donc, vous trouvez Léo Frobenius, il écrit un livre en allemand, 1922, 4 tomes, il s'appelle les contes kabyles. Il a été traduit en 1998 par Mokran Feta. C'est un germanophobe kabyle. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, تيموشو هيا جينا غيد يخدم ليوفرو يدي جمع ليوفرو بينوس يرث انتي در ثروميث 1998 les éditions Actes Sud français ils sont pratiquement fouken ils sont épuisés mais on peut les retrouver peut-être en livre d'occasion surtout le tome 1 il explique d'une cinquantaine de contes واحد 50 تيموشو ها يضحكون في زوران القبائل. Ça, c'est très, très important. C'est un don que je vous fais. Je suis éditeur. J'essaie de les rééditer. Ben, c'est très difficile d'acquérir les conditions matérielles, etc. Mais je suis là-dessus. Je vais essayer au moins de rééditer les premiers contes acquérir. Et d'éditer de l'acquérir, ils auront le réveil. Ils auront les Maziran et les Qaboran.